comment obtenir l'armure Raiden. C'est très simple, je vais vous montrer les missions principales. Il faut les réaliser en S, toutes les missions de la 0. Il y en a quelques-unes où il y a des petits traits, donc c'est pas la peine de les faire en S parce que vous n'aurez jamais S là-dedans. Par exemple la 22, quand il y a un trait comme ça, c'est qu'il n'y a pas de classe. Bon, donc vous faites toutes les missions en S jusqu'à la mission 45, si je dis pas de conneries. Ouais, jusqu'à la mission 45. 46 aussi. Normalement la 46 vous avez dû la faire en S automatiquement si vous n'avez pas utilisé le truc pour être invisible. Et là moi il me reste ces 4 missions là à faire en A. Et j'ai obtenu la armure Raiden. Qui est là? On va la voir. Voilà. Et il faut la construire. Elle coûte cher par contre. Et voilà. On l'a construit. Et je vous montrerai une vidéo avec l'armure, ce que ça donne. Donc voilà. Là comment faut faire? Faut faire tout rang S pour pouvoir obtenir le diplôme des grands maîtres standard, je crois que c'est. Hop. C'est là, collection, les diplômes. Voilà. Et là où il y a le point au-dessus, là, celui-là, le diplôme des grands maîtres standard. C'est ce qui vous permet de débloquer l'armure Raiden. Donc il faut remplir tous les objectifs en S. Voilà pour ceux qui se posaient la question. Ah, et pour obtenir la 11e photo, faut aller voir la fille dans le truc médical 11 fois. Et la 12e fois, vous aurez la photo accrochée sur le mur. Et la fin est sanglante, vous le verrez bien. Et voilà.